Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Thé Pudding and Camembert sur EU4. On est avec Damned. Salut Damned! Salut les gens! Et bah on va tout de suite enlever la pause parce que de toute façon on était en train de plus ou moins se remettre doucement, n'est-ce pas? Hop, il faut qu'on aide un peu Jilidia qui galère là. Faire les dernières colonies. T'as la trêve jusqu'en 1631 quoi. Pouh. Alors, le Valois est un vassal. Maintenant, il faut que je lui dise de se bouger le fion. Faites-moi des revendications sur tous ces trucs là. Démerdez-vous. Voilà. Salut aussi, ouais. La Suisse aussi, ouais. Ouais, tout le monde quoi. Très bien. Ah bah ouais, là on est bloqué pour un petit temps. C'est pour ça, tu vois, la Frise et la Hollande notamment, on n'a pas de trêve. Du coup, Ouais, je comprends. dès que ces gens ont réussi à revenir sans mourir comme des nazes, on pourra peut-être faire quelque chose. Alors, qu'est-ce qui se passe? Intrigue à Londres. On doit écouter les nobles du pays. On perd un conseiller diplomatique. Plus 2, ouais, ok. D'ailleurs, j'avais pas un mec de qualité. Non. Tout cela est gros texte, on perd en légitimité. Morale navale plus 10%. Ouais. Non, je m'en branle. Il me va très bien, mon mec qui baisse l'inflation. Pas encore fini de travailler. Je voulais aussi lancer une petite guerre coloniale avec la Malouisiane. J'ai vu qu'elle avait enfin fait un casus belli sur un. On peut pas. Si, déclencher une guerre. Sur le Nouveau-Portugal? Ah, elle aussi, elle peut. Par contre, elle peut pas contrôler Shawnee. Bon, bah écoute, défonce donc le Nouveau-Portugal, mais pourquoi pas à eux? Pourtant, il y a un casus belli là. Bah, peut-être qu'elle peut le faire toute seule. Bon, je ne sais pas. Alors, ici, il fallait qu'on aille châtier les fanatiques catholiques hein, qui sont un peu trop, depuis un peu trop longtemps, en train de foutre la merde, n'est-ce pas? Et en plus, qui m'empêche d'accaparer des terres aux bourgeois. Rendez-vous compte. Parce que pour prendre des terres aux gens, il faut qu'il n'y ait pas de rebelles. Moi, je trouve que c'est un peu abusé comme, comme règle, mais bon. C'est clair. Alors je peux toujours prendre une doctrine. Hein. J'ai bien envie de prendre une doctrine. J'avais des doctrines en cours. Attends, je crois que non. Je vérifie 2 secondes mes doctrines. J'avais la qualité expansionniste exploration maritime. Religieux, c'est un peu tard. Économique, ça reste un must-have, hein, on est d'accord. Administratif. Non, on s'en fout complètement. Naval, on n'a plus personne devant nous, donc on s'en fout. Par contre, des petites doctrines offensives, ça pourrait faire du bien. Ou alors... Doctrine aristocratique. Offensive ou aristocratique? Qu'en penses-tu, Demned? J'ai pris offensif, moi. Offensif, ça fait quoi? Plus 1 de choc, recrutement plus rapide, plus de feu, J'ai vu capacité la de discipline, alors j'ai dit siège. ok, je prends. Ah, je comprends. Mais c'est faible, hein, mais. Non, mais t'as raison, c'est vrai que ça reste aussi très intéressant. On va directement prendre le choc. Hop, voilà. Après, hein, voilà, on n'est pas hyper fort en militaire, mais c'est pas grave, notre mec est pas prêt de crever.
Alors ici, on va réembarquer avant que j'oublie. D'ailleurs, je peux peut-être demander à retourner ici, puis vous agirez de manière intelligente. Alors, le Red Squadron, on peut renommer les flottes, non? Ouais, on va l'appeler la flotte américaine, histoire que quand il me propose comme ça de prendre une flotte, je percute que c'est la bonne. Une révolte, c'est une blague. Un expert en fortification. Laissez-moi en paix. C'est où que ça a pété? Ah bon, on s'en branle. Ouh, les grands territoires, ils ont quand même 30 000 hommes, hein. Ça commence à compter. Ici, on est rentré. On n'a pas de bateau à améliorer. On taxe. Du coup, il faut juste qu'on recrute, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Une colonie n'est pas contente, on s'en branle. On a plus que 33 bateaux. Oh, putain. Putain. 7. Mal au cul, ça. 4, 5, 6, 7. Ah non, mais les mecs qui coulent parce qu'ils ont décidé de faire le tour du monde pour aller chercher une armée. Ouais, merci l'IA, quoi. Surtout que la flotte, enfin l'armée de 14 000 hommes, enfin que la flotte de 14 bateaux était allée chercher à la place de la flotte de 39 bateaux qui était collée à elle, c'était une armée de 30 000 hommes de toute façon qui aurait été trop grosse quand ils seraient arrivés, quoi. Enfin, ça n'avait aucun sens. Ça n'avait aucun sens. Ça avait juste aucun sens. Donc bah tant pis. Tu voudrais dire que ça avait aucun sens, en fait. C'est un peu ce que je voudrais dire, ouais. Ouais. D'accord. Voilà. C'est comme ça que je l'avais compris, en tout cas. C'est un peu ce qui me venait, en fait, tu vois, sur le contexte, quoi. Que ça n'avait aucun sens. Aucun sens. On a 64% de la mer Blanche en faisant rien là-bas. Eh bien, c'est fantastique. Mais. Ah d'accord, la compagnie de Moscovie travaille sans moi dans le coin. Eh ben, j'en suis fort aise. Ouais, excuse-moi, j'ai un marchand qui vient de popper et il faut que je trouve où le foutre. Je sais pas, je t'en prie, je t'en prie. Ici c'est un peu naze. Ici on a que 25%. Ça va vers Séville, vers les Caraïbes, vers la Manche. Ouais, on pourrait renforcer notre puissance ici. Il y en a déjà quelqu'un. Ici on s'en fout de toute façon, il travaille pour nous. Ici on a déjà quelqu'un. Ici on a 1%, c'est naze, ici on a 0. Ici on a 1%. Oh oui, quelqu'un là. C'est assez riche quand même. On sera toujours ça de prix. T'as des rebelles? Ça te dérange pas? Hein? Non. Bah pourtant. Ah si, mais attends, je suis en train d'enlever mon moral et enfin de remettre mon moral et puis j'y vais. J'avais complètement oublié en fait. Tout pas grave. Ok, pas de problème. J'avais complètement oublié qu'on pouvait utiliser nos sous pour améliorer les petits ports qu'on a là, les havres et tout. Ouais, les havres et tout, ouais. C'est vrai que moi aussi je le fais assez rarement, mais. Je viens de tomber dessus par hasard en cliquant. Donc voilà. Je voulais le dire, c'est tout. On a la route des Indes orientales, plus 5% d'efficacité commerciale, et bien c'est parfait. Bon, et puis bah du coup, entre temps, je ne peux plus piquer... Je ne peux plus piquer de troupes... Enfin, de terres aux bourgeois, parce qu'ils sont descendus en dessous de 52... C'est bien bien triste. Ici, on va rappeler eux. Hop, et est-ce qu'on peut déclarer une guerre ici? Complètement, allez, c'est parti. En avant. Prenez-moi ce truc là pour la force des âmes des flammes de Chobiti.
Alors, on peut prendre de la thune. On prend la thune. On prend pas le mercantilisme parce que les colonies aiment pas, hein, tout simplement. Ici, on est bien. Ici, on peut rappeler. La fin des conflits intérieurs. On a une révolte, je sais pas où, mais en tout cas, c'était loin. Oui, une colonie. Est-ce qu'on n'emmerderait pas un peu l'Espagne? C'est parti. Une doctrine. On est à 100%. On prend la conscription nationale. C'est cadeau. Alors, il fallait que j'investisse. Attends, il fallait que j'investisse dans des universités, je crois, pour un défi. Je me permets de regarder ça. Une université à Oxford et à Bedfordshire. Voyons ça. Oxford. Université. Boom. Et Bedfordshire, c'était dans le coin. Ouais, c'est là. On peut pas. Pourquoi on peut pas? Parce qu'on convertit un truc du genre, non? Ouais, il y a déjà un missionnaire, c'est pour ça. Bon, il est bientôt fini. Portugal a revendiqué le défenseur de la foi catholique. Nous rions de leurs prétentions. Alors, hop, on termine la bataille navale et on fait une paix avec ces gens. Alors, concéder le Mexique, de la thune, c'est bon. Voilà. Et du coup, une petite université à Bedfordshire. C'est parti. Et avec ça, on peut pas investir pour se faire du blé. Oh putain, le petit temple à 0,30. Oui. Carrément, je prends. Merde, j'ai mis ce clic. Tant pis. Ça fera quand même Temple à des troupes. 0,30, oh, c'est pas foufou, si. Oh, si, c'est pas mal quand même. Un temple? Bah si, un temple à 0,30, hein, c'est quand même badass. T'as raison, j'en ai 2,0. J'en ai 2,040, je vais peut-être les prendre. Ah bah oui, complètement. C'est vrai, t'as raison en fait. Fais voir l'atelier. L'atelier à 0,50, ah oui, ah, c'est pas mal aussi. Ah ouais, ça joue. T'as raison, allez hop. On n'a jamais trop d'argent de toute façon. Non, on n'a jamais trop d'argent. Et pour 95 d'habitude, normalement quand tu les commences à les faire, 0,21 c'est rentable. Autant te dire que 0,30 c'est la teuf quoi. Les 0,40 c'est encore mieux. On a des colonies autosuffisantes. Pas de problème. Ici on est bien, ici on est bien. Ici on peut rappeler, ça ira. Ça c'est pas une colonie, c'est des chartes. Hein. Ouais, c'est une charte ici, on est d'accord. Oui, un petit emprunt, c'est pas grave. Ah. Con, Non, je mais viens c'est de parce que claquer j'ai un eu un... En dé. fait, je viens de claquer tout mon pognon pour créer des bâtiments. Et Ah oui. j'ai un event derrière, en fait. Classique. Voilà, exactement. Mais bon, pas grave, hein. Excuse-moi, je dois proposer une loi. Bah fait. Alors, plus un marchand, non. Droit de douane, plus 25%, bof. Gain de marin, non. Y a pas gain de troupes, non. Coût des conseillers, efficacité commerciale. Oh putain, c'est toute la merde. Bon, les marins, je m'en fous, quoi. Attends. Après, faudrait que j'en fasse quelques-uns, mais il faudrait que j'en fasse, quoi. Pas que j'en gagne. Non, bah on va prendre ça, tant pis. Seulement 25%. Alors, soutien diplo, oui. On a trop de points diplo. Accorder des titres, non. Soutien diplo, oui. Promouvoir la fonction publique. Soutien diplo, on prend. Soutien militaire, non. Et ma souris déconne, là. C'est chiant. Elle saute moitié toute seule. Je ne sais. Je pense que je vais faire tant que je nettoie un peu mon matos. Ah, de temps en temps, il Clic. faut
peu moins de légitimité. Voilà, avec ça c'est fait. Alors, si je veux avoir l'hégémonie navale, il me faut 250 navires lourds. Il va être temps de s'y mettre. Hein. Oh putain, ici aussi il y a des. Période difficile, qu'est-ce qui se passe? On demande de l'aide au Portugal. Demander l'un des généraux ou alors de la thune. Bon, on va essayer une petite aide militaire. Ça fait pas de mal. Alors, du coup, on va faire des flottes marchandes. Pourquoi je peux pas recruter? Oh. 25 points militaires. Ah, parce qu'ils m'aiment pas, c'est ça. Ouais, ils ont une aspiration à liberté trop élevée. Et les flammes de Chobiti. On va apaiser un peu les dirigeants. Une épidémie ou ça? Dans la Havane. Ouais, en la vanne. Non mais attends, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Un problème de pile? Non, non, elle est filaire, et puis c'est un capteur laser. Ah oui. Ah, le truc le plus énervant du monde, ça. Par contre, j'avais une touffe de poils de chat dans le capteur. Ah. Alors, excusez-moi, du coup, c'est un petit peu parti en sucette. Il y a des mecs qui se sont soulevés encore, où ça? Là, ok, bon, ils vont gérer. Voilà, ça devrait marcher un petit peu mieux. Excusez-moi, parce que du coup, la vue est partie un peu n'importe où. Alors, cette flotte, elle s'appelle comment? La cinquième flotte. La cinquième flotte, tu m'emmènes des troupes là, parfait. Je réenlève la pause. Ah, il va falloir qu'on aille se faire la frise. Hein. Ah, c'est vrai qu'on a plus que 3 colons du coup, qu'on a terminé notre loi. C'est bien dommage. Allez, on va débarquer cette armée-là ici, parce que pourquoi pas. La Grande-Bretagne règne sur les mers. Bah, je veux, ouais. Mais, c'est de ma gueule. Qu'est-ce qu'elle branle ma flotte de transport là? Les près des clairs, ils ont 40% d'influence. Non, on va plutôt privilégier. Ah, mais 15. Ils vont trop perdre, tant pis. Le gouverneur colonial Adam MacDonald est mort. Ah, dommage. On a terminé une mission rénover Oxbridge. Ça nous donne quoi? 4,50 d'innovation. Ah bah très bien. Et on a le colloque d'Oxford qui se réveille. La rénovation récente des bâtiments anciens des unités d'Oxford et Cambridge a permis la réunion aussi productive qu'animée des plus beaux esprits des deux institutions. Splendide! Une autre réunion se tiendra dans 10 ans. Bon, parfait. Et maintenant, il faut que je fasse quoi? Il faut avoir les lumières. Et je dois avoir 4 manufactures. Ah oui. 20 manufactures et j'en ai 4, pardon. Ah ouais, bah de ce côté-là, j'en ai quasiment 30, je crois, des manufactures. 30 des manufactures? T'en as construit 30? Ouais. À 500 balles la manufacture? Ouais. Ah ouais. Enfin, ouais, des manufactures ouais. De type particulier, hein, faut que ça soit des moulins et tout. Ouais, alors bah après j'ai une trentaine de manufactures, maintenant je peux pas te dire ce qu'elles font toutes exactement. Il y en a c'est du textile, il y en a c'est des moulins, il y en a c'est des manufactures d'armes. Mais ouais, je dois en avoir... Ouais, c'est ça, bah c'est des trucs type moulins et tout qu'il faut, ouais. Ouais, j'en ai une trentaine, ouais.
Ouais, je me suis un peu lâché, ouais. Ah oui, bah tu m'étonnes, après tu claques ta thune, quoi. Comment tu vois, combien t'en as? Là, j'ai compté à l'arrache, je sais pas s'il y a un moyen de le savoir. Quand j'ai cliqué dessus, j'ai regardé tous les endroits bleus où il y avait une manufacture de construite. Et j'ai une grosse Ah partie du pays oui. qui est bleue, quoi. À peu près, hein. Mais je peux pas voir exactement combien j'en ai. Non, Ouais, je crois ok, non pas. mais ça colle, j'en ai 4 comme ça. Ouais. C'est vrai que moi j'ai plutôt fait les autres, genre bureau de recrutement et autres là. J'en ai quelques-uns aussi, mais. Mais ouais, c'était l'avantage, hein, quand j'étais à 4000 ou 5000 pièces d'or, bah bam 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 quoi. Puis bon, je me dis avec un peu de chance que j'aurai peut-être les manufactures qui apparaîtront à Paris. On verra. Bien, bien, bien. On essaye en tout cas. D'avoir le foyer à Paris. C'est vrai que ça serait cool. Bah ouais, ça pourrait être un plus. Puis au passage, ça me rapporte de l'argent entre autres. Donc Je fais un petit point vite fait sur mon ennemi fait, là. fait, fait, fait. J'ai construit une quatrième armée, donc ça y est, je suis à 144 000 hommes. Hambourg, c'est 90 000, c'est 9 000 hommes, ok. Et Rupin, c'est 9 000 hommes, ok. Donc, normalement, avec une armée, on devrait pouvoir gérer. Du coup, je vais avoir plus d'hommes que l'Espagne. Ah oui, ça y est, tu te fais plaisir, non? Ah bah ma... C'est aussi la doctrine de quantité, hein. Qui aide, hein. Oui, c'est ça. Hanovre vient si j'attaque, et du coup, il est co-belligérant automatique. Donc, il y aura quand même un petit peu de monde. D'accord. Après, à toi de voir si ça te dit de venir ou pas. Bah bien sûr que je viens. Tu rigoles ou quoi? La question ne se pose même pas. Moi, s'il faut écraser des gens, je suis toujours prêt, hein. Bon, bah go alors. T'es Ah chaud? bah allez, bah ouais carrément, j'ai ma nouvelle armée qui vient de se monter en plus, ça va être l'occasion qu'elle aille s'amuser un peu. Bim, bah voilà. Un peu de sang, ça me manquait. On s'ennuyait justement. Ah bah oui, bien évidemment que je viens. Allez, je repasse en vitesse 2 le temps de faire un peu le point. Nous sommes donc en guerre contre quoi? Tous Voilà, ces déjà une trucs bataille navale à de droite là. gagnée. Ah bah oui, je pense que là, navalement. J'ai que 60 bateaux de commerce, hein, mais bon, ça fait mal quand ils en ont 5 ou 10 en face, quoi. Bon, sans grande surprise, il se replie. Bah ça alors. Donc on va débarquer sur la frise direct comme un gros sac. Ma flotte de guerre, elle est où? C'est un peu trop le bordel là, c'est celle-là. Ici. On va envoyer nos deux navires amiraux défoncer la flotte de Hambourg là, ça devrait la calmer, je pense. Qu'il y avait la Hollande, pardon. Bah, en théorie, elle était co-belligérante, mais elle a pas dû venir, je pense. Ouais, mais je comprends mieux que, je fasse, que ça fasse pas un siège du coup. Ah oui, bah oui, du coup oui. Oh, le siège qui commence à zéro quoi. Nos ports sont sous blocus, mais certes. Ah bah non, de toute façon, ils vont se faire défoncer. Ah non, mais il y a les grands territoires qui arrivent avec une flotte de 2 bateaux. Qu'est-ce qu'ils foutent là? Et ça, c'est quoi? La Hollande et ses 20 bateaux. Lol. Bah, contre les 162 bateaux de la coalition, je pense que. Elle se défend quand même, hein, elle se défend. Quelque chose me dit que t'as pas dû améliorer tes bateaux. Tu parles de moi ou de elle? De toi. Ah, moi, mes bateaux sont améliorés au maximum, hein. Ah ouais. Ah oui. Dis donc, c'était compliqué pourtant, cette bataille à 165 là. Ah oui, mes bateaux sont toujours améliorés au maximum. Enfin. Dès que c'est possible, en tout cas, mais là c'était largement possible. Ok. Je ne vous permets pas, monsieur. Tatufi, tatupi. Manque de respect, nous sommes alliés, mais quand même. Bah si, la Hollande est dans la guerre. Elle a dû venir après. Ah bah maintenant que je suis parti, tiens, ça y est. Bah attends, Bah c'est pas grave, j'ai écoute. 36 000 hommes là qui arrivent. Hop, allez Ouais, hop, non, je non, les mais barre. j'en ai aussi 30 000 qui se pointent là. Je vais vérifier mes petites conversions. Est-ce que je peux convertir ce truc qui s'était converti là? Oui, je peux complètement convertir ce truc. C'est pas un état, je peux pas mettre de. Excusez-le.
Ouais, agitation, agitation, c'est bon. Ah, j'avais un truc à buter ici. Où sont mes troupes? Non mais c'est tant, putain, mais c'est une blague. Où sont passées mes troupes? Qu'est-ce que c'est que ces bateaux? Pourquoi j'ai un navire lourd dans cette flotte? Putain, je comprends rien à ce qui se passe. Je ne peux pas trop t'aider, là comme ça. Ah non, mais au début de l'épisode, j'ai demandé à envoyer mes troupes. Ah non, mais putain, mais il a dû faire tout le tour avec les 14 bateaux qui étaient là pour fusionner avec ceux-là, et seulement maintenant il est capable du coup de les envoyer, d'envoyer les. Oh là là, mais non, mais faut que j'arrête d'utiliser les déplacements automatiques, hein, c'est. C'est n'importe quoi. Y a pas d'autre mot. Allez, la frise s'est tombée. On va s'occuper de la Hollande. Hop. On va envoyer nos bateaux lourds filer un coup de main aussi. C'est la capitale hollandaise où il y a le fort. Ouais. Après, si on peut piquer un peu de troupes à la Hollande, hein, on va pas se gêner. Hein. Enfin, de troupes de terre. Puisqu'on a quelques casus belli dessus. Ah, les bateaux qui se réparent pendant qu'ils font le blocus. Je sais que tu adores ça. J'adore ça sert à rien, mais ça me fait tu l'avais rire. Pas encore dit, je crois. Non, je pense que j'ai pas suffisamment explicité. On a encore capturé plein de bateaux, ça fait plaise. Hop, ici, on va épuiser leur flotte jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. La traite avec Picardie a expiré. Oh, c'est pas un souci, c'est des potes la Picardie maintenant. On a combien ici? On a 0 de siège, ici on a 0 de siège. Ok, pas comme ça c'est fait. Après, c'est vrai que t'avais pris la doctrine de quantité, toi. Ce que je te disais, ouais. Ouais, c'est. Je viens juste de percuter dans mon cerveau. Mais comment ça? Je me demandais, en fait, je me disais, je me tâtais de refaire une armée. Et je me disais, bah non, je suis déjà au taquet de ce que je peux recruter. Mais. Effectivement. Détail qui a son importance. Allez donc au Sussex, vous. J'ai un siège qui est à 78%, quoi. Sans déconner. Eh ouais, bienvenue dans mes parties. Hein. Allez hop, là, on envoie ici. On fusionne tout ça parce qu'après tout, il n'y a pas de raison. Toi, une caravelle, tu retournes à Norfolk te faire améliorer, s'il te plaît. Et après, tu iras t'occuper du commerce. Putain, par contre, la Hollande, ça résiste. Hein. Terra Papillote n'est pas contente. Mais voyons donc, Terra Papillote. Toi tu reviens, et on a dit qu'on l'envoyait ici. Bon, pour l'instant on n'a pas gagné beaucoup de batailles, mais ça va venir. Hein. Et qu'ils vont commencer à s'effondrer leur fort. Bah, faudrait déjà qu'il y ait des batailles en fait. C'est ça. Ah, il y a le Brabant aussi qui est en guerre contre nous. Bah, on va aller assiéger ça du coup. Je sais pas, j'ai pas regardé qui c'était moi, j'ai juste vu qu'il y avait des sièges à faire, donc voilà. Ah ouais, non, mais j'ai regardé au début de la guerre et tous les trucs en guerre contre nous, ils étaient balaoutés. Mais en fait, du coup, maintenant, il y a la Hollande et le Brabant qui sont tout proches, là. Qui font un petit peu leur malin, j'ai envie de dire. Ah, il y a quand même 42 000 hommes, là, qui se sont regroupés d'Hanovre. Ah bah, faut pas non plus trop les sous-estimer, ouais, mais après...
Si t'as besoin d'un coup de main, tu me diras quoi. Oh bah je pense qu'avec 3 armées à 36 000 ça devrait le faire mais... Ok, il est venu se poser là. Ok, bah il va Ah, venir... il va chercher la Picardie. Non, je sais pas ce qu'il fout. Normalement il devrait pas pouvoir passer là. Quoique... Ok, il va faire le siège. Parfait. Ah, l'Espagne a semé la discorde. Il stade visiblement. Ouais, c'est ce qui s'appelle hésiter. Ah, petit bonus de malus de terrain. Ah bah voilà, là on retrouve la vraie Normandie là. Celle qui défonce des gens même en sous-nombre. Non mais oh. Bim. Allez, faut que les sièges tombent là, c'est long. On peut prendre une tech avec 65% d'avance, putain, et en plus ça on a même pas d'innovation, quelqu'un l'a déjà prise quoi. Oh bah ça y est, Gênes Vache. n'existe plus. Ah oui, c'est vrai que tu l'assimilais, j'avais oublié. Bah GG. ouais. C'est histoire de... Encore une fois, c'est vraiment pour libérer une relation quoi. Alors du coup tu feras gaffe hein, parce que t'as 5000 hommes au Brabant qui font le siège, qui sont un peu tout seuls si jamais tu les as pas vus. Tout à fait. Du coup, je récupère des bateaux aussi. Ok. Au Brabant, ouais, ici. Ok. Donc ça va me faire, à mon avis, ouais, trop de troupes et trop de bateaux. Parfait, merci. Ah bah écoute, si t'as besoin que je te libère de quelques bateaux. Ouais, je revois ça. Je vais voir parce qu'attends, je vais peut-être pouvoir faire des ports quand même là-bas. Donc je regarde ça tout de suite. Ici, est-ce que mes troupes sont enfin arrivées? Bah bordel, c'est pas dommage. Ah, du coup, j'avais commencé à faire des bateaux pour ce côté-là et pour l'autre côté, c'est parti en couille. Il y a déjà des Parfait. chantiers navals, d'accord, ok. Chantiers navals. J'ai des chantiers navals sur toutes mes côtes normalement. Ah ouais, non, mais en fait, quand je m'inquiétais de tes problèmes financiers, enfin, t'as largement plus de thunes que moi, quoi. À 753 là hein. Ouais, Mais j'ai enfin, tout ce que dépensé. t'as investi, Ah quoi. non Moi. mais depuis tu te souviendras que je t'avais demandé de l'argent un peu au moment, ça fait très 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 longtemps que je t'ai rien demandé hein. Et encore, C'est j'ai vrai. jamais eu tous les bonus d'or que t'as pu avoir de toutes les guerres qu'on a fait au début hein. Bon, je crois que j'avais pris aussi ce qui m'a un peu aidé hein, aussi pas totalement mais quand même. Où sont mes doctrines? Mes doctrines. J'ai la doctrine économique et commerciale aussi, hein. Ça aide. Ouais, c'est clair que ces deux-là, elles font plaisir aussi. On est d'accord. Et puis je me gave dans le truc de la Manche. Alors moins que toi, qui est quand même beaucoup trop puissant par rapport à moi, mais je me gave quand même un petit peu. Hein. À nous deux, la Manche, on la pille, hein. Le truc commercial. Hein. J'ai 50% de mercantilisme. J'en ai jamais eu autant. La grippe! Oui, on met en quarantaine, y a pas de souci. Là oui, maintenant je me fais un peu plaisir en argent, c'est vrai. Non, non, mais c'est bien en même temps. Hein. Bah oui, le but c'est d'être indépendant, hein, si je dois te gratter des sous tout le temps. J'ai investi en conséquence. C'est ça. Il me propose des trucs de merde là. Je comprends pas. La Frise veut une paix. Alors pour l'instant, non. D'abord, on va prendre une doctrine militaire. Ça n'a aucun rapport, mais c'est pas grave. Alors, l'objectif, ça va être de se gaver un max. Hein. Si on peut prendre des trucs par là, putain, mais le Danemark. Oh, mais le Danemark n'existe plus quoi! Oh. Non, non, il n'y a quasiment plus rien au Danemark. Ah ouais, il s'est tellement fait défoncer. Et Ah la là, elle est Suède tombée. n'a toujours pas demandé sa liberté, hein. Ben, j'ai l'impression qu'elle enchaîne les guerres avec lui, les trêves et tout, du coup elle doit même pas pouvoir. C'est possible aussi. Allez, sur cette bataille navale, je veux juste qu'elle se termine pour pas qu'il recalcule un truc à la con. On va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, on va tranquillement piétiner des gens, reprendre doucement du poil de la bête. C'est ça.
Et la prochaine fois, ça sera pas la même. Ah non, clairement pas. Allez, merci à toutes et à tous et à très bientôt. À bientôt.